Traveling is brutality. It forces you to trust strangers and to lose sight of all that familiar comfort of home and friends. You're constantly off balance. Nothing is yours except the essential things. Air, sleep, dreams, the sea, the sky. All things standing towards the eternal, or what we imagine of it. I met Germaine, a young French director who wanted to go far away. Make a movie is an experience, an adventure, a journey. It's about feelings, and it's full of enforcing. Every story has a beginning. So let me introduce Vincent. En gros, je m'appelle Vincent Dahl et je suis le producteur, traducteur, conducteur, cuisinaire, un peu babysitter parfois et je fais un peu tout quoi. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, après j'ai passé 10 mois à Lyon, de prendre français et d'habiter avec une famille française. J'ai déménagé à Paris et moi j'ai rencontré Germaine par hasard. En fait c'était un casque d'or qui a nous branché. Et puis on se tournait mon 12e court métrage. Il était producteur, moi j'étais réalisateur. Et pour celui-là, pour Lights on a Beating Heart, on a échangé les rôles. Lancer et Paul. Séquence 2B. Du coup, on a dit que c'était un lieu neutre, mais où est-ce qu'on va le faire quand même? À la plage. Ouais, c'est bien. Pour la lumière. C'est bien. Non, c'est carrément bien. En plus, ça peut être pas mal d'avoir le son des mouvements de vagues mélangés. Parce que j'aurai le son des baisers, tout tourner, ça. On va tourner deux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses d'ouvrir dans ces plans-là? Et moi, je pensais refermer sur eux, justement. Parce que c'est un truc sur l'enfermement. Ok, oui. Donc, on se referme sur eux qui se... Mais c'est oui, ce que je pensais, mais peut-être, c'est que oui. C'est, on les laisse, non? On les laisse on seul. On commence avec lui et on les laisse, c'est un moment qu'on pense, on voit le douleur et tout on ça. Voit le mec qui, ouais. Qui s'en va. Mais alors ça veut dire qu'il faut calculer, ouais, peut-être un travelling arrière. Je crois que c'est mieux à l'arrière. Ouais, ouais, je pense qu'on peut utiliser aussi la lumière qui sort du garage. Qui sort, ouais, je suis d'accord. Ou une fenêtre, tu vois, un truc aussi. Bon, de toute façon, le garage sera ouvert. Quelque chose un peu stylé. Plutôt une lumière jaune, mais assez différente de celle du lampadaire. Tu vois qu'on n'est pas une identique complète. Mm-hmm. Qu'on soit dans quelque chose... Peut-être qu'avec un lampadaire qui est pas loin du... On peut choper un flair, tu vois, ou un truc comme ça. Oui. Oui, ça va, c'est bon, ça. Moi, je pense qu'il faut voir le décor. Non oui, oui. Là, c'est ça. C'est sûr que là, c'est envoyé un décor qu'on saura. Je joue le rôle d'Eliott. Et Germain m'a contacté en fait par mon agent pour me faire passer un casting. À la base, c'était pour un premier projet qui s'appelle Les Noctures d'Alexandre, qui est toujours en suspens, mais on a décidé, il a surtout décidé avec son producteur de faire un film ici à Sarasota en équipe plus réduite, avec moins de personnages et une intrigue plus resserrée. Et voilà.
Donc moi c'est la première fois que je pense comme la plupart que je fais une expérience aux États-Unis. Et c'est incroyable parce qu'on a une équipe vraiment qui déchire, on a un chef op qui fait des plans magnifiques, qui maîtrise vraiment son truc. Un set designer qui a trouvé des endroits incroyables. Quand on a tourné dans des espèces de jungles avec des lianes, on a tourné au coucher de soleil avec des troncs d'arbres bicentenaires morts, avec déracinés, avec des lianes qui couraient sur le sable. Et bon, c'est un décor qui est magnifique, quoi. Et comme c'est hyper important dans le scénario, les lieux, en fait, c'est un personnage à part entière. Donc c'était très important qu'il y ait un mec qui assure à ce niveau-là, quoi. Et Casey, il a fait un travail mortel, quoi. On a des véhicules sublimes, une voiture de course là-bas, une moto de 40 ans de l'autre côté. Et voilà, on a tout pour faire un film super. Et donc We traveled and moved from locations to locations. Everything in my eyes, like the sun on a wave during twilight. And there is one place which has left a mark on my mind. Arcadia. Certainly the most cinematic town I've ever seen. Time is suspended. As a day which never ends. Donc, il s'agit d'un road movie, c'est quatre jeunes qui errent, qui se rencontrent, qui se séparent, et puis un cinquième qui arrive croiser toutes ces histoires-là. Et Elliot, c'est un mec qui était fou amoureux de sa nana, et en fait, ils ont vécu un drame ensemble, ils ont perdu leur enfant, et alors on ne sait pas si c'est pour ça ou pas, mais ce bébé qui est mort beaucoup trop tôt. A bouleversé leur histoire, et du coup lui il est en errance, et voilà, et c'est comme ça qu'il rencontre ses filles et qu'il rencontre Alexandre. T'as un message à transmettre? Pourquoi? Mais pourquoi elle vient foutre sa mère? T'es qui? Pourquoi elle vient foutre sa mère? Alexandre, arrête! Calme-toi! Calme-toi! Allez, casse-toi! Casse-toi! J'ai fait un casting pour une pub avec Guillaume Rollin, l'associé de Germain pour la boîte Huis Clos Film. Et en fait, je correspondais pas. Ok, et voilà. Et non, et en fait, il lui a parlé de moi et il lui a dit j'ai vu une fille qui me correspond pas, mais qui peut peut-être te plaire. Et en fait, il se trouve que Germain m'avait déjà vu dans un clip que j'avais fait, et il m'avait bien aimé à l'époque, et voilà, et il se trouve qu'il cherchait une fille pour son rôle, pour Suzanne, et on s'est rencontrés, et ça a fonctionné, le scénario m'a plu, j'ai lu, et voilà. Take one, Mark. Right on set, please.
Alors, mon rôle, c'est Suzanne, une jeune femme de 25 ans à peu près, on la trouve dans une période de vie pas facile, parce qu'elle vient de se faire quitter par l'âne. Toi, je parlais de la voiture. Et voilà, elle est tombée très amoureuse de, cette nana qui l'a quittée. Et là, elle a l'occasion de repartir avec elle en road trip. Et je pense qu'elle a de l'espoir de la retrouver. Hi, je m'appelle Folco Marchi. J'interprète le rôle de Gaëtan dans le film Light on a Beating Heart. C'était un film très enrichissant, qui parle. J'aime beaucoup des sentiments, même si j'ai rien compris au scénario. Je l'ai pas lu en fait. C'était pourquoi je dis ça moi. Et dans l'action, de jour en jour, tout s'est transformé. Les repérages étaient magnifiques. On avait des lieux incroyables. Et ça nous a beaucoup aidé. Et ça nous a porté quoi. Ce personnage finalement qui est aussi les États-Unis. C'est le décor, les accessoires, les motos, les 4x4. Ça c'était pas mal. Envoûtant quoi. We live in a world that is full of beauty, charm, and adventure. There is no end to the adventure that we can have. If only we seek them. With our eyes open. Take one, Mark. Our home, where we live for 25 days. 10 Frenchies in a house, in the middle of an Amish farm. Each detail is important. And this is America. Assez peu commun, le montage a été amorcé sur place pendant le tournage. Donc c'est-à-dire que les jours de tournage s'étaient déroulés, le soir j'étais donc à la maison au point de rassemblement de la prod, où j'avais installé ma station de post-prod. Je suis arrivé une semaine en fait après le début du tournage, j'ai rattrapé donc toutes les journées que je n'avais pas encore traitées. Et ensuite, ça a été au jour le jour, donc ce sont les plans que je recevais chaque jour. Marie, décale-toi un peu, s'il te plaît, vers la droite. Décale-toi un petit peu. Merci, stop. C'est bon. On serre les jambes. Action!
ça c'était un peu dur parce que on était beaucoup tous ensemble avec très peu de jours de repos et on était un peu les uns sur les autres. Mais voilà, ça faisait partie aussi de l'expérience du voyage et je pense que ça nous a porté aussi dans le film quoi. Parce que c'est ce que ça raconte finalement, c'est les gens qui se connaissent pas et qui se rencontrent et donc il se passe des choses très fortes quoi dans les deux sens. Bonne ambiance, après ben, forcément vivre tous ensemble c'est pas toujours facile mais c'est une expérience de fou. Enfin moi c'est mon premier film, j'ai juste 20 ans donc ça me fait grandir beaucoup. Et voilà. Camera speed. Scene 32, take 1, mark. Action. Lights on Beating Heart, c'est l'envie de faire un film assez loin d'abord, l'envie de partir. Je crois qu'on a tous à un moment dans notre vie envie d'aller loin, d'aller voir autre chose, au cinéma, de raconter d'autres histoires. Le film s'est monté beaucoup sur l'idée de faire une coproduction franco-américaine d'un film tourné en langue française avec des acteurs français, un réalisateur français, une toute petite partie d'équipe française, mais c'est pas là-dessus que ça a joué. Ok, speed. Lights on a beating heart, scene 20, take 1, mark. Good one. Ok. Natasha, let me know when you're ready. Ok. Ok. Kathleen. Ok, music. Music. Rodolphe, s'il te plaît. Laurent, serre-toi, je te vois. Merci. Action, everybody moving. Très indépendant sur la façon de faire, de construire. De tourner, ça reste la même chose parce qu'on a une caméra, on a plein de techniciens, il y a plusieurs acteurs. Même si c'est pas des films voilà, qu'on voit tous les jours parce que c'est très physique, on est loin de tout. Ouais, c'était pas facile parce qu'avec les films indépendants, tu sais, c'est pas quelque chose de très évident. Il faut sacrifier beaucoup de choses. Ça se fait pas avec les cerveaux en fait, ça se fait avec le corps, ça se fait avec le sacrifice de son, le sacrifice de sanité et le sacrifice de tout quoi. Moi je préfère perdre peut-être ma langue, mes oreilles que mes jambes à faire du cinéma. Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads. Like all great travelers, I've seen more than I remember, and remember more than I've seen. There comes a moment on the journey when something sweet, something irresistible and charming
as Warren raced to search the lips, wells up in the traveler's being. Magic is believing in yourself. If you can do that, you can make anything happen. J'ai 11 Français qui s'habitent dans une petite maison. Ça fait comme 2 Français chaque chambre. Quand les comédiens ils sont arrivés, ils m'ont demandé bah, Vincent, on est 2 au même lit. Et j'ai dit bienvenue en filmmaking indépendant. Quoi. Le plus dur, en fait, je crois, sur le tournage, c'était pas d'interpréter le rôle, c'était de comprendre ce que me disaient les Américains, parce qu'on a tourné en Amérique. Et j'avoue qu'au début, ça a été très compliqué de s'exprimer dans la langue de Shakespeare. Et il a fallu beaucoup de temps avant qu'ils comprennent ce que je disais, les mecs. C'est une aventure internationale avec des Français, des Américains, mon directeur de photographie, Juan Sebastian Baron, est colombien, on est sur les Américains, l'ingénieur du son est portoricain, je ne me trompe pas, il vit au Texas. Tout le monde vient un peu de partout, c'est assez génial. Et je crois que le cinéma a besoin de ça. A besoin d'avoir des films qui se construisent avec des initiatives de plein d'horizons. Moi, j'ai pris plein de choses que je ne savais pas avant, un peu l'argot, un peu les expressions en français. Et par exemple, moi je suis un gros fan de Jacques Chirac. Et moi, je viens d'apprendre que lui, il mange de saucisses et de Corona à 8h du mat. Et peut-être que c'est quelque chose que je vais faire pareil dans ma vie. Et dans toute façon, si je suis un gros fan de Jacques Chirac, il faut que je termine cet entretien avec ça. Au revoir. It's like Forrest Gump said. Life is like a box of chocolates. You never know what you're going to get. But everything you get is going to teach you something along the way. And make you the person you're today. That's the exciting part. It's an adventure in itself. My name is Nathan Cahen, and I'm a traveler.